Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter des torches à dynamo, donc pour cette nouvelle vidéo. Donc des torches à dynamo, ça sert à quoi? Ben, c'est justement des torches où vous allez pouvoir justement recharger sans forcément les recharger directement ou à changer les piles, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment une grosse possibilité donc, de pouvoir vous éclairer en pleine nuit quand vous êtes dehors, etc. Ou même si vous n'avez plus d'électricité chez vous, ben, c'est quand même parfait pour retrouver son compteur directement et d'avoir une petite lampe qui permet justement d'avoir une autonomie quasi illimitée hein, en vrai de vrai. Si ce n'est à part vraiment voilà, les ampoules, enfin les ampoules, les LED, voilà, au bout d'un moment, ben voilà, mais les LED ça dure vraiment très longtemps. Et en plus de ça, avec une bonne économie, et en plus de ça, vous pourrez l'utiliser vraiment sur de longues durées, hein, très clairement, parce que vous avez juste à la recharger. Donc là, c'est à la main directement, forcément, c'est à dynamo, mais je veux dire, c'est juste à tourner, il y a une petite manivelle à tourner, et vous avez une autonomie d'environ 30 minutes, ce qui est déjà pas trop mal. Vous avez juste à tourner pendant une minute sans vous arrêter et vous avez une autonomie de 30 minutes, hein, ce qui est quand même pas négligeable du tout. C'est de la marque Varta qui fait ça, donc vous retrouverez les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est une petite torche dynamo 120 mAh justement. Là-dessus, donc il vous tiendra quand même 30 minutes pour une minute de... Donc c'est quand même pas mal d'avoir 30 minutes d'autonomie juste pour une minute voilà, de recharger. Vous pouvez bien sûr la faire durer jusqu'à 1h30, mais bon, il va falloir bien tourner tout ça. Donc pendant moins de 3 minutes, si vous voulez qu'elle dure 1h30, voilà, pendant 3 minutes, vous tournez sans simultané, elle durera 1h30. Hein, donc c'est clairement très bien en termes d'autonomie pour celle-ci. Je vais vous présenter la deuxième. Donc la deuxième, c'est justement... alors celle-ci, elle est un petit peu multifonction. Donc celle-ci, c'est une lampe de la marque Duronic Hurricane. Justement, une lampe torche, lanterne à dynamo et USB. Donc justement, celle-ci va vous permettre justement de bien recharger. Donc lampe à dynamo, bien évidemment. Donc avec la manivelle que vous avez au-dessus. Mais pas que, parce que celle-ci, elle fait les deux en fait. Genre, elle fait une lampe à l'avant et une lampe totalement classique, comme si c'était, comment on appelle ça, des lampes à lanterne, voilà, exactement, lanterne. Et là-dessus, donc, vous avez là-dessus aussi une torche en face aussi. Donc, vous avez soit la torche, soit vous avez la lampe lanterne classique et elle peut durer pas mal de temps. En vrai, soit celle, justement, lampe torche, ben, elle dure 5,5 heures, soit... le modèle lanterne dure à peu près 2h30 et ou soit le type qui dure voilà 30, mais c'est vraiment le faible, le mode très faible, mais on y voit quand même rouge, mais qui durera une trentaine d'heures, donc c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, c'est à justement voilà à manivelle et tout ça pour 20 minutes, tout ça pour justement 20 euros. Donc c'est à peu près au niveau des prix, c'est à peu près ça sur les trois produits, une vingtaine d'euros pour chacune. Mais et encore moins cher aussi, peut-être 10 euros aussi sur la suite. Pareil, c'est un petit peu encombrant, mais d'un côté vous avez un très bon éclairage. Si vous êtes en randonnée, etc., c'est juste parfait. Vous avez même un petit crochet pour pouvoir la transporter en lanterne, ou si vous souhaitez, vous avez un petit crochet pour pouvoir aussi en faire ce que vous souhaitez. Vous avez aussi un rechargement par câble USB si vous le souhaitez, hein, voilà, en cas, voilà. Mais il faut savoir qu'elle est totalement aussi à dynamo, donc c'est à vous de voir. Vous pouvez la recharger soit en USB, soit directement à dynamo, donc vous avez juste à tourner. Si en cas vous n'avez pas de truc électrique autour de vous, donc c'est quand même pas si mal que ça. Donc pour la toute dernière, c'est justement la marque Simpic. Donc c'est une lampe de poche solaire, justement torche LED solaire à manivelle, rechargeable, les activités en plein air, etc. Donc celle-ci par contre, c'est pas une petite manivelle, enfin si, c'est une petite manivelle, pardon. Et là-dessus, bon ben voilà, hein, c'est pareil, vous allez avoir une petite autonomie assez sympa aussi. Bon, un très bon éclairage aussi, c'est une petite lampe. D'ailleurs, vous avez de quoi la mettre par exemple sur voilà, un petit crochet quelque part, etc. Vous pouvez la fixer comme vous souhaitez là-dessus. Et elle est à la fois aussi solaire, donc elle pourra aussi, si vous la mettez au soleil, etc., aussi vous fournir le soir de la lumière si vous le souhaitez. Donc c'est quand même pas négligeable du tout. Et puis en plus de ça, ça prend pas trop de place. Et puis en plus de ça, c'est aussi classe énergétique A+++++. Donc en vrai, il n'y a pas mieux. Genre là, clairement, il n'y a pas mieux, surtout sur du très long terme. Elle est à la fois solaire. Bon, le solaire, je ne suis pas sûr qu'il soit très efficace, pour être franc avec vous. Mais là, clairement, l'effet de dynamo, voilà, il y a plus de ça. Là, la manivelle, après, se rentre très facilement dans son compartiment de rangement. Et puis, vous n'avez juste plus qu'à allumer la petite lampe. En termes d'autonomie, on est environ pour 10 minutes, justement. Il faut savoir, si vous, justement... Vous la laissez au soleil pendant 30 minutes, je génère l'énergie suffisante pour 10 minutes d'éclairage, voilà. Donc ça, c'est quand même sympa. Et 40 heures de lumière directe du soleil permettait de charger justement... de charger complètement la batterie. Ouais, on est quand même sur une petite batterie, mais ça suffit largement pour éclairer juste un système en LED, tout simplement. D'ailleurs, si vous tournez la manivelle pendant une minute, elle génère l'électricité suffisante pour 8 minutes d'éclairage. Donc c'est quand même pas trop mal. Je la trouve mieux la première pour justement, voilà, pour la durée. Mais voilà, si vous la chargez pendant une petite minute, elle vous fonctionne sur à peu près 8 minutes. Donc c'est quand même honnête aussi. La durée de vie des LED est à environ 100 000 heures.
ce qui reste voilà, sur plusieurs années sans problème. Là-dessus, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, vous avez tous les liens en description de vidéo, bien évidemment. À la fois prochaine, ciao ciao.